Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jack Piscine qui te parle et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu rétro. Et aujourd'hui je vais donc m'attaquer à Rayman 2 The Great Escape, ou alors l'homme rayon 2, la grande échappatoire. Un jeu sorti en 2000 sur moult supports, mais je vais tester aujourd'hui la version PlayStation 1. C'est édité et développé par Ubisoft, et c'est un jeu du type action, plateforme, aventure. Et on va, eh bien oui, démarrer une nouvelle partie immédiatement. On a le choix évidemment entre deux langues, le français et l'allemand, mais je ne parle pas le schleu. Et on a aussi évidemment le choix entre une nouvelle partie, charger une partie déjà existante ou faire un petit tour dans les options, chose que l'on va faire. Centrer l'écran, on s'en fout un petit peu, je pense qu'il est assez centré comme ça. Est-ce que vraiment un jour dans la vie de quelqu'un, ça a sincèrement servi à quelque chose de centrer ou non un écran? J'ai jamais connu quelqu'un qui disait « bah moi j'aime bien mettre mon écran un petit peu plus à droite », enfin bref. Je tergiverse pour pas grand chose. Les configurations, le son en stéréo, oui les musiques, on va les laisser comme ceci, les vibrations. Je joue sur l'émulateur, je n'ai pas configuré ma manette pour qu'elle vibre. Et enfin la langue, on a vu que c'était déjà chose faite. Nouvelle partie, ça se lance immédiatement et je vais passer la plupart des cinématiques. Non seulement dans un premier temps pour vous laisser les découvrir par vous-même si jamais vous avez une folle envie de jouer au jeu. Mais aussi, surtout, pour un côté pratique, puisque si je les laissais, eh bien, ça mettrait une vidéo de 150 heures, chose que je n'ai pas devant moi. Donc, je vais, encore une fois, passer ces petites cinématiques qui valent vraiment la peine, puisque non seulement elles sont très colorées, elles sont charmantes, elles ont un vrai, on va dire, but, puisque il y a effectivement une vraie histoire dans ce Rayman 2, comparé au premier qui avait juste un prétexte. Donc là, c'est normal, si vous comprenez pas grand-chose, le pourquoi du comment, qui est ce gros personnage, ma foi, tout pâteau, qui a l'air très content qu'on lui tourne autour. Et on dirige donc Rayman, et c'est parti, on n'a même pas le temps de se reposer ni comprendre de ce qu'il arrive, qu'on est déjà dans une première phase de jeu avec des glissades. Alors, ça nous a aussi brièvement montré à quoi servent les petites fées rouges. On a pu le voir brièvement que ma barre de vie en haut à gauche a pu se régénérer au contact de ces mêmes petites bestioles. Donc là c'est pareil, encore une fois, je vais passer ces cinématiques. Vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Il y a un écran de chargement qui apparaît, c'est formidable. Alors écran de chargement qui nous montre brièvement en fait ce qui peut nous attendre parfois dans certains niveaux, comme quoi on peut allier l'utile à l'agréable. Et la Rayman, eh bien, tombe telle une merde sur le sol et c'est à nous de retrouver notre chemin. Et c'est ainsi que l'aventure commence réellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce Rayman 2? Alors, pour ceux qui auraient évidemment joué au premier Rayman, vous vous rendrez compte que le jeu est un peu différent puisqu'il est en 3D cette fois-ci. Sachant que le premier était totalement en 2D façon dessin animé. Là, il est en 3D tout en polygone. Et du coup, ça change quelques petites choses. Alors, on a quand même les mêmes éléments de base, hein, la possibilité évidemment de sauter. On a directement la possibilité de faire notre petite attaque plongeante. Attaque plongeante, non, c'est pas du tout une attaque. Enfin, on peut planer avec nos cheveux, c'est normal, dans le monde fabuleux de Rayman. On n'a plus la possibilité de lancer vraiment son poing. En fait, à sa place, on lance eh bien, une espèce de boule magique des Hadoken, comme ceci, qui ricoche un petit peu contre les parois. Donc ça remplace tout simplement l'attaque au poing. Et on a aussi pour l'instant la possibilité de s'accrocher voilà, au rebord comme ceci, hein, ce qui était avant des pouvoirs à débloquer au fur et à mesure des niveaux. Oh, c'est-à-dire que nous avons été séparés et... Non, pas de panique les enfants, je vais ramener votre père. Mais d'abord, il faut que je trouve Lee. Elle aime bien rêver par ici. Vous ne l'avez pas vu? Je dois aller la libérer. Bravo, bravo l'esprit de déduction. Donc voilà, c'était une petite cinématique que j'ai laissée. Hein. Je me suis tué pendant quelques instants. Déjà, ça vous fait du bien dans un premier temps. Mais c'était aussi pour vous faire écouter les voix françaises, les doublages, parce que ce jeu a été, eh bien oui, doublé dans plusieurs langues. Et attention, je vais éternuer, excusez-moi. Oh voilà, petite... comment dire, petit éternuement, bref. Donc ce jeu a été traduit dans plusieurs langues et doublé même dans plusieurs langues. Et les voix françaises, le doublage français est de très très bonne qualité. Moi, roi des petits aigles, je tiens à te féliciter pour ton courage. Ne les
m'écoute pas. Le roi, c'est moi. Mais... Ah non, le roi, c'est moi. Mais enfin, qui est le roi? Voyons, c'est moi. Donc voilà, je vous passe comme encore une fois la cinématique parce que ça peut être un peu long. Mais vous l'aurez compris, les doublages, encore une fois, sont d'excellentes factures. Avec notamment dans la voix de Rayman, Emmanuel Garrigo, je crois, je ne sais plus, j'ai mal pris mes notes. Il va falloir un jour que j'apprenne à écrire correctement. Qui est donc la voix française d'Hercule, hein, Hercule de Disney, pour ceux qui l'auraient reconnu, ou même la voix de Rufio du film Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet. Et du coup, comment ça se passe dans ce jeu? Eh bien, on a une map qui vient se dévoiler petit à petit en fonction des niveaux que l'on termine. Donc là, c'est le préambule, tout simplement, avec les 10 looms à récupérer. Et donc les looms, les petites fées de couleur, nous servent à débloquer d'éventuels niveaux. Donc là, on voit en l'occurrence qu'il va falloir que je récupère 60 pour avancer normalement au niveau suivant. Et que j'ai 4 trucs. Je ne sais pas trop ce que c'est, hein, je ne me suis pas trop renseigné. Et alors, ce qu'on voit tout à droite, ce sont les fées à libérer dans des cages, parce qu'elles sont encore présentes, ces foutues cages à exploser, mais elles sont plus obligatoires, c'est juste pour 100% du jeu. Et que, alors du coup, dans le premier, c'était des petites bestioles façon qui ressemblaient vachement à des notes de musique jaune, je crois. Là, c'est complètement des fées avec un chapeau rigolo. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont changé de design, enfin bref. Et du coup, voilà, ça sera les objectifs, on va dire, un petit peu secondaires. Ce qu'il faut savoir avec les cages, par exemple, c'est que si on les détruit, je crois que c'est toutes les 10 cages détruites, on a une augmentation de notre barre de vie. Encore une fois, qu'on a pu voir brièvement en haut à gauche. Donc voilà, c'est plus un objectif secondaire qui peut être intéressant pour terminer le jeu. Mais c'est plus complètement quelque chose d'obligatoire. Parce que souvenez-vous, dans le premier Rayman, les cages étaient obligatoires pour voir la fin du jeu. Puisque sans ça, vous ne pouviez pas avoir accès au boss final. Donc ça se passe encore une fois comment dans ce jeu. Je vous ai déjà expliqué un petit peu les différents contrôles. Chose à savoir, c'est que tout comme dans le premier, il y aura des pouvoirs qui se débloqueront quand même encore une fois au fur et à mesure. C'est juste qu'on commence avec un petit peu plus de maniabilité que dans le premier épisode. Donc voilà, là par exemple, on l'a vu hors écran rapidement, mais il y avait une petite targette à dégommer pour pouvoir ouvrir la porte. Hein, extrêmement simple au début, hein, je vous le cache pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc on avance encore une fois tranquillement, encore une fois une petite cage comme je vous le disais si bien. Voilà, quelques coups suffisent. On peut voir en fait en haut, eh bien, que ma barre de vie peut atteindre un certain niveau, ma foi, assez impressionnant. C'est une très grosse barre, je suis très impressionné Rayman. Et du coup, voilà, ça se passera souvent comme ça dans les niveaux. Il va falloir souvent, en fait, tout simplement, atteindre la fin du niveau avec différents obstacles qui viendront se mettre en travers dans notre chemin. Et avec aussi différents gameplays. Donc là, encore une fois, un looms d'une couleur différente. Elle nous explique brièvement la fée Lee que ce looms vert, eh bien, nous sert de checkpoint, tout simplement. Il y aura donc des looms de différentes couleurs avec différents effets. On pourra s'accrocher à certains quand on aura le pouvoir dédié. Donc il y a des looms qui nous remettent de l'énergie. On a des looms qui aussi, eh bien, nous donnent donc accès à de nouveaux pouvoirs. C'est formidable. Et petite phase de gameplay qui change. Voilà, on est sur un tonneau, c'est formidable. On attend un petit peu que l'on traverse aisément donc ce foutu marais toxique qui, vous l'aurez compris, eh bien, nous fera très bobo si l'on tombe dedans. Et voilà, j'ai appuyé, eh bien oui, sur l'interrupteur qui fait que la machine s'arrête. J'imagine que ça va rendre l'eau potable. Ah non, ça va tout simplement arrêter le fluide de merdier. Et si voilà, ça rend l'eau complètement, eh bien, transparente. Parce que c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie, les enfants. Si vous coupez, eh bien oui, un réservoir de pétrole, eh bien tout se change en eau claire directement. Donc encore une fois, petite phase de gameplay qui change, on a la possibilité cette fois-ci de nager. Donc encore une fois, des looms qui viendront nous servir de recharge d'oxygène. Alors je m'éloigne un petit peu de toutes mes explications. Voilà, alors j'essaie quand même de pas trop faire n'importe quoi. Voilà, je récupère un petit peu d'oxygène. Un gros looms qui compte pour 5. Looms normaux, formidable, on avance encore une fois assez aisément. Donc c'est un jeu que je recommande chaudement, je vous le dis directement, hein, la vidéo n'est pas finie, mais c'est un jeu, ma foi, de très bonne facture, hein, avec de très beaux graphismes. On a aussi une musique et un environnement sonore très très agréable. Franchement, c'est un régal pour les yeux et pour les oreilles. Et encore, je teste la version PlayStation 1, puisqu'en fait c'est un jeu
comme je vous le disais, qui est sorti sur plein de supports différents. Mais chaque support, en fait, est assez différent des uns des autres. Par exemple, la version Nintendo 64 et la version PC sont sorties, je crois, en même temps ou quasi en même temps. Et sont des versions qui, déjà graphiquement parlant, sont plus jolies. Mais aussi comportent des petites choses en plus ou en moins en fonction, encore une fois, des versions. Donc il y a des versions avec des mini-jeux en plus, je crois. Il y a des versions, je crois, notamment la version PlayStation 1 qui a des niveaux remaniés, voire des secrets un petit peu coupés, mais qui comporte d'autres secrets aussi qui est complètement inédit à cette version-ci. Donc voilà, c'est un jeu là où la plupart du temps, j'ai l'impression que les gens, en fonction des supports, n'ont pas vraiment une grosse différence. Là, c'est complètement un jeu où il va falloir, eh bien, oui, tester un peu toutes les versions pour avoir celle qui vous convient le mieux. Là, par exemple, je sais qu'en bas, là, il y a une cage. Voilà, j'ai fait de la merde. On n'a pas de dégâts de chute, donc c'est pas grave. On ne s'énerve pas. Et voilà, il court, le Rayman. Il n'a pas beaucoup de jambes, mais en tout cas, il a beaucoup d'énergie. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je sais pas si je peux... Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais planer. J'ai cassé la petite cage, encore une fois. Donc, on peut voir qu'il y en a 6 dans ce niveau. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore de plus sur le jeu? On va traverser une vingtaine de niveaux différents. Donc, encore une fois, avec des environnements très, très particuliers. Donc, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, avoir eu ce jeu. L'avoir beaucoup apprécié, mais m'être arrêté au niveau du Royaume des Morts. Je ne sais plus le nom exact de ce thème-là, enfin de ce niveau-ci. Mais voilà, moi je l'appelais comme ça, parce que oui, ça ressemblait vraiment à un gros cimetière, à un bordel monstre. Et un bordel monstre, c'est peu dire. Oula, alors là par contre, les looms apparaissent un petit peu au dernier moment. Heureusement que la hitbox est très large. Ils sont assez généreux. Parce que oui, ce monde des morts, eh bien, quand j'avais quoi, 5-6 ans peut-être, me terrifiait, puisque, eh bien, on est poursuivi durant un bon parti du niveau, une bonne partie du niveau, par un monstre invincible avec un seul œil qui ressemble à des araignées. Je suis très très peureux face à ces créatures démoniaques à 8 pattes. Du coup voilà, c'est un jeu, ma foi, qui est une bonne entrée en matière dans le monde de Rayman. Parce que je rappelle que Rayman 1 a beau être très joli et très agréable, non seulement donc visuellement et auditivement parlant, mais c'est aussi un jeu très difficile. Et à contrario, ce jeu-ci est peut-être un peu trop facile, je dirais. Vous ne serez pas vraiment dans la merde. On peut le voir, de toute façon, qu'on a une barre de vie assez généreuse, qu'on peut augmenter en plus de ça. On aura des pouvoirs qui viendront agrémenter, eh bien oui, l'arsenal de notre personnage. Et encore une fois, je ne vous ai pas montré, j'ai pas pu vous montrer encore pour une fois, enfin pour l'instant, des adversaires à battre. Mais voilà, vous aurez des adversaires truculents à affronter. Donc non seulement, enfin, notamment des robots pirates, puisqu'en fait, oui, je n'ai pas parlé de l'histoire du jeu. Mais en gros, l'histoire du jeu, c'est tout simplement que vous avez le capitaine Barbe Tranchante, je crois, quelque chose comme ça, qui, eh bien, a brisé le monde de Rayman, alors je sais plus le nom exact du monde de Rayman, en plusieurs milliers de morceaux. Et du coup, eh bien, oui, c'est à notre cher personnage sans membre, eh bien, de récolter les looms. Alors, je sais que sur la version PlayStation 1, c'est 800 looms. Je crois qu'en tout et pour tout, normalement, sur les autres versions, c'est 1000 looms. Encore une fois, ça reste à confirmer. Alors, j'aimerais bien, voilà, faire face au bon endroit. Je récupère un petit peu d'énergie. Et voilà. Du coup, voilà, c'est à nous de récupérer des looms et pour sauver le monde, encore une fois. Voilà, c'est pas extrêmement recherché comme scénario, mais ça fait le travail. Essayer de pas faire de la merde, j'imagine que c'est droite-gauche. Esquive. Ah! Oula! À droite. À gauche. À droite. Allez! À gauche. Attention, à droite, vous l'aurez deviné. Attention, il se passe quoi? À gauche, oui, encore à droite. Alors j'aimerais bien que ça cesse par contre. Merci bien, on avance. L'espardra que l'on peut briser. Eh bien, oui, à coup de boule magique. Alors, il y a aussi la possibilité de tourner la caméra quand elle le veut bien. Alors, défaut du jeu, c'est que la caméra est un peu capricieuse. Non seulement déjà en jeu, elle a tendance à tournoyer autour de Rayman de manière, eh bien, oui, fantastique. Mais en plus de ça, voilà, quand on veut la bouger manuellement, ce n'est pas possible dans tous les endroits. Eh bien, on a tendance à se bloquer contre les murs, c'est très très lent. Enfin bref, un défaut du jeu, c'est ça, c'est que le jeu pourrait être un peu plus souple en termes de caméra. J'affronte le premier robot chiotte du jeu. Alors c'est très simple, il suffit de lui balancer notre poing au visage.
On a pu le voir brièvement avec le tuto que je peux maintenir R2 pour faire du sur place et pouvoir tournoyer autour de mon adversaire. Voilà, encore une cage de pété. Alors, c'est qui lui? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi il y a un dinosaure poulet? Ça fait peur. Du coup, voilà, on va quand même essayer de terminer ce niveau-ci pour vous montrer un niveau, ma foi, totalement classique de ce Rayman. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs manières aussi de jouer. Il y aura des niveaux, on va dire, à... comment dire, à des niveaux de... pas de course en soi, mais on sera sur le dos d'une fusée avec des pattes. Donc, du coup, voilà, il y a plusieurs gameplay différents, ce qui en fait, ma foi, un jeu plutôt agréable, divers et varié. On avance. Oula, non. Ah oui, non. Alors, parce que je suis quelqu'un qui aime bien essayer de faire directement le 100% de quelque chose. Et j'avais vu qu'il y avait un loom, cela. Alors, à l'aveugle. Voilà, j'ai dû le récupérer. Et. Ah. Ça rebondit, ça, ou pas? Ah, c'est pour ça, ouais. Voilà. Donc, oui. Voilà. Et je ratterris ici. Encore une cage. Alors, au début, c'est très simple à les trouver. Et après, j'imagine que ça sera de plus en plus difficile. Petit saut. Ah oui, bah c'est pas grave, petit saut, je me le prends quand même, mais c'est pas grave, j'ai des frames d'invincibilité. Et alors lui, j'aurais pu tout simplement l'esquiver, mais je vais l'affronter, parce que déjà que j'ai pas affronté beaucoup de monde, j'aime bien taper sur les adversaires gaiement. Alors aussi, on a des frames d'invincibilité, c'est un peu chiant. Alors, bah du coup... Oui, c'est activé, c'est bon? Je peux passer? Je ne sais plus, je ne sais même plus ce que je fais. J'imagine que ça doit être bon. Bon bah on avance. Voilà, de toute façon, l'écran passe au noir, j'imagine que c'était le bon chemin. Et du coup, voilà, ça en fait un jeu, encore une fois, très sympathique, que je recommande chaudement à tout fan du personnage charmant. Bon. Alors, non, on continue encore un petit peu. Voilà, je trouve que c'est un bon compromis, parce qu'encore une fois, le premier, pour moi, marquait vraiment les bases du personnage et avait un univers, comment dire, très prenant. Le 2 est bien meilleur sur le principe, encore une fois il est plus simple, alors même si ça peut être vu comme un défaut par certains qu'un jeu soit facile, mais je sais pas, moi je trouve ça plus intéressant de jouer à un jeu que je peux terminer sans crever en boucle. Alors je crois que je dois directement tomber en bas, oui. Donc du coup, je trouve ça bien plus intéressant, et c'est très très agréable. Et là je vais donc sauver normalement ma copine la fée qui va, j'imagine, me donner un pouvoir. Oui, non? Alors, on s'en fout un petit peu des looms pour l'instant, hein. Ce qui m'intéresse c'est de terminer ce foutu niveau. Voilà, encore un looms pour, eh bien, oui. Ah, pour bien, oui, faire mon checkpoint. Ah, voilà, je vais devoir me saisir d'un tonneau, et je vais, en fait, devoir l'amener jusqu'à le sparadrap là-bas, parce que je ne peux pas détruire ce sparadrap. Ah merde, je ne peux pas détruire ce sparadrap avec mes petits points, je peux le détruire uniquement avec un tonneau explosif. Il va falloir en fait que je prenne ce tonneau, que je le lance en l'air quand les bombes arriveront, eh bien oui, vers mon visage, et je vais devoir les exploser, rattraper cette foutue bombe tonneau. Voilà, hop, et je le reprends, je suis très très fort, hein. J'ai pas de bras, mais j'imagine que si j'en avais, il serait très très musclé. Encore une fois, voilà, et hop là. Formidable, donc je vais faire ça 3 fois, vous l'aurez bien deviné. Alors, est-ce que je suis assez proche là? Oui, et de 1. Allez, on y croit. Alors, paf, ça c'est fait, gratuit. Oh, quel visage gracieux, hein. On a un nez plus gros que son corps et on est, ma foi, un héros. Allez, on avance tranquillement. Qu'est-ce que je peux dire encore en termes de chiffres? On peut le trouver sur eBay à 20 €, donc boîte manuelle et jeu compris. Ah merde, j'ai avancé en même temps, j'aurais pas dû faire ça. Bon, ce qui en fait, ma foi, un jeu totalement abordable et qui le vaut cette fois, puisque bien nombre de fois, je vous parle de jeux qui valent une petite blinde, mais qui ne sont pas forcément très intéressants. Et là, pour une fois, je trouve que 20 € c'est donné pour un jeu de cette qualité. Il existe aussi moult speedrun, mais je vais vous parler uniquement de l'Any%, donc finir le jeu le plus rapidement possible sans aucune condition particulière. Il se fait en 1h52min39s, ça va, ma foi, plutôt vite. C'est un jeu qui pourtant n'est pas court du tout, hein. Il n'est pas extrêmement long, mais c'est un jeu quand même qui vous tiendra en haleine durant de longues heures. Non, attrape ton tonneau, s'il te plaît, merci. Et enfin, sur jeuxvideo.com, la rédaction lui a mis la très bonne note de 17 sur 20, ce qui, encore une fois, prouve que c'est un indispensable dans le monde du jeu vidéo. Voilà.
C'est bien, même ces petites phases-ci, elles sont pas extrêmement chiantes. Voilà, à moins de se tromper 15 fois d'affilée. Ouf, c'était limite. Mais je trouve que c'est faisable. Voilà, on fait 3 fois d'affilée. Oui, c'est un peu chiant, c'est un peu redondant. Mais en soi, c'est pas complètement chiant. Il y a des phases de jeu dans certains autres titres qui sont complètement relous, qui durent bien plus longtemps et qui sont bien plus punitifs. Et on a donc sauvé la fée avec un rouge à lèvres, ma foi, d'une couleur un peu douteuse. Lee, comment ça va? Et du coup, voilà, ça sera notre première fée de sauver. Il m'a donné le looms d'argent, et puis on a été séparés. Il faut que je le retrouve, et que je chasse les pirates. Mais pour cela, j'ai besoin de mes pouvoirs. Je suis trop faible pour te rendre toute ta puissance. Les pirates ont brisé le cœur du monde en 800 looms. Et l'énergie est devenue très difficile à réunir. Mais il y a peut-être une autre solution. As-tu entendu parler de Polocus? Non. Voilà, alors je vais vous passer quand même cinématique parce que voilà, c'est sympathique, et voilà, mais voilà, il parle de Polocus, il va falloir le retrouver, le libérer avec l'aide de 4 masques, blablabla, la quête, sauve le monde, tu es un héros très héroïque, enfin bref, voilà. C'était donc Rayman 2 sur PlayStation 1, un excellent jeu que je vous recommande chaudement. Sur ce, moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain jeu rétro, prenez soin de vous et à très vite, salut !